Allez! Salut YouTube! T'entends cette musique derrière? Tu sais ce qui s'est probablement passé? Eh oui, c'est notre première win sur la saison, la nouvelle map. C'est un peu un truc de ouf. J'ai joué avec le nouveau sniper, c'est de la merde. J'espère que vous allez kiffer. Pensez à vous abonner, j'ai vu des statistiques effrayantes, comme quoi vous étiez un certain nombre qui n'était pas abonné, je connais pas les chiffres. Donc abonnez-vous, peace. Voilà, Eric Costa, merci pour le sub-gift. Indep, merci pour le sub-gift. Fister, le sub-gift. Arnaud, qui se sub, bienvenue les gars. Bon allez, tentative les gars, faire notre première victoire sur la nouvelle map. On a déjà fait un top 3, on a fait un joli top 10 aussi. Je pensais que ça allait atterrir un peu, ça allait... C'est quoi ça? La Phara? Apparemment, la Phara a été extrêmement augmentée, les gars. Je pense qu'on a un client en chat. Pouvoir d'arrêt. Backstab. Ok. On va sortir le skill, les gars. Donc les mecs qui m'ont backstab, ils sont échappés la plupart. Tiens. Parfait. Tu peux virer le point d'assassin DLSS du titre, Kmas. Tu l'écriras aux gens s'ils se posent la question. Putain de bordel. Ah, il était avec la phare de la FFR de base. Ok. Eh tiens, on va faire un petit vol, les gars. Vol muy simpatico. Yes, j'ai de quoi acheter deux drones. Là, économiquement, je commence à être un peu mieux. Qu'est-ce que j'aime. Quand je suis allé une fois au Japon, il y a 2 ans et quelques. C'était incroyable les cerisiers comme ça et tout. Vraiment, c'était un bonheur, chat. Alors apparemment, il y a un mec là-haut. Je vous avoue que j'aimerais bien monter. Oh merde, le mec a sauté, chat. Le mec a sauté instant. Attention, le drone n'a plus de carburant. On va à la base de la maintenant. Le gaz se rapproche. Changement de zone de sécurité. Demande de reconnaissance de la zone. Un drone arrive sur zone. J'ai... Ouais, merde, vas-y, je vais essayer. C'est très probablement un échec de ouf qui va arriver. Mais j'ai envie de le tenter, les gars. J'ai envie de me dire, si je fais un top 1, c'est avec une arme difficile. Peut-être pas une arme facile tout de suite. Même si une arme facile, ça aurait été... Et les gars, la map est sublime. La nouvelle map, elle est sublime. Non, leur event qu'ils ont fait, là, Call of Duty, là.
C'était de la grosse merde. Mais let's go les gars. Ok. Je me défends pas trop mal, mais j'ai du mal à... C'est encore un autre sniper. On sait y avoir trop de snipers les gars. Je suis mort. Ok, je suis pas encore mort les gars. C'est pas que je voulais mourir. C'est génial les gars ce coin ici. Avec des petits souterrains pour avancer. Justement quand il y a des snipers. Ça fait un peu rat mais j'aime bien tu vois. Je suis pas pour les cachettes. Mais ça c'est de la cachette utile. Quand t'as, au lieu d'avancer en open field en mode tu vas mourir. Tu peux avancer par là. Tu sais que... e-sportivement... Je trouve que cette map est répond plus au caractère de, aux critères de ce qu'on pourrait attendre d'une map plus e-sport. En même temps, mec, il y a un putain de point ici et il disparaît 9 fois sur 10. Elles vont où ces putains de balles de ce sniper? Il est passé où le sniper? Chat? Mais... C'est un camé? C'est qui ce mec les gars? Il est con. Est-ce que vous voyez quelque chose me tirer dessus les gars? Est-ce que vous avez vu des... Alors moi j'ai vu les balles partir, oui. Le joueur play, il tente le backstab. On le tue. On l'a pas vraiment tué, on l'a détruit. Ils ont modifié le skin rose? Non, rose est toujours pareil. Comment t'as eu le camo spécial? C'est le camo des ultras. Genre, tous les ultras peuvent avoir ce camo. Genre, là par exemple, je tire les gars. Je sais pas si je touche le pneu. Ah bah... Là j'ai touché le joueur. Faut se sub pour avoir le camo. Oui, c'est exactement ça. Pour avoir ce camo rarissime, la seule solution est de se sub. Il faut absolument pas aller dans la boutique et l'acheter avec. Et ça coûte 10€. La bonne solution, c'est de s'abonner. Putain.
T'es mort. Pas du tout. T'es mort. Ok, alors... Ce bâtiment, on le connaît. Ils ont ajouté ça. C'est nouveau, les cages à poules. Regardez, les gars, les cages à poules. Tout. Malin lapin. Hein. Bon, allez. Oh, Bad Beer. C'est le mec que j'ai tué juste avant. Merci, Arne, pour le prime. Oh, allez. Première balle qui one shot, les gars. The first. La first balle que je tire au niveau de la tête et qui reste le mec. Ça fait plaisir, les gars. Ça fait plaisir. On va pas se mentir. Non, en plus, là, je vous savez que gagner lors d'une... L'enfant de pute. Vous avez vu ce qu'il faisait? Il attendait juste à côté du camion pour... Pour mon... Que des fantômes. T'avoues mes balles? Lui, il s'est mis la pression, du coup, il a pas réussi à rentrer là-dedans. L'autre, il campait là-haut. Ben, forcément aussi. Chat, il y a une voiture arrêtée. Deux, trois. Une quatrième. Oh oui. Genre là c'est, tu vois, en termes de véhicules arrêtés, les gars, il y a quand même... On va pas se mentir, les gars, qu'il y a deux. Il y a de sacrées fuites dans mon bouclier. Hein. Genre sacrées fuites. Hein. J'ai vu le petit sneaky balancer son C4 de merde là. Attends, du coup il reste un camion encore en bas. Je sais pas si c'est un camion fatigué ou si c'est un vrai camion. Non, ça a l'air d'être un vrai camion. Même pas fatigué, nickel. Ok. Ok les gars, j'avais que 5 kills, il restait 20 personnes. Il en reste 13, mais je... Non, il en reste 7, mais j'ai 13 kills. Game beaucoup plus correct. Si, genre si je gagne une 15 kills et quelques sur la en tant que première game sur la nouvelle map, ça m'ira largement quoi. Ok les gars, 7 personnes, une chance sur 7 de gagner. The Dream, débloquer le compteur. Ok. Il joue comme des rats. Les débuts, c'est pour les personnes qui ont du mal, vous devez surtout pas vous en faire, vous devez pas vous inquiéter là-dessus. Les débuts de saison sont extrêmement durs. C'est-à-dire que si vous ne faites pas de victoire pendant 3, 4 jours, voire une semaine en début de saison, c'est normal. Parce que c'est très très dur. Parce que tout le monde veut gagner. Tout le monde veut au moins une victoire sur la nouvelle saison. Ce qui fait que les gens jouent leur vie de façon irrationnée. Par exemple, exemple tout bête, tu vois. Les gens, généralement, ils temporisent pas trop dans le gaz, tu vois. Là, les mecs, ça va pas les gêner de temporiser dans le gaz et de toi te tuer, même si eux vont mourir dans le gaz, tu vois. Et que même s'ils gagnent pas la game au final, ils voudront te tuer en jouant leur vie comme ça. Ils ont des comportements complètement fous. Mais complètement fous, les gens. Du coup, on va essayer de faire un gameplay propre, les gars. C'est-à-dire que je vais rester en open field. C'est-à-dire pas des endroits où il y a des bâtiments, tout ça.
tous les campeurs et les cassos, ils vont vouloir aller dans les bâtiments. Nous, on va rester en extérieur. Avec un camion qui est quasiment full life. Donc, je suis quand même bien. Le petit problème, c'est que je sais que le C4 a été up. Je crois que le C4 détruit mon camion. Et en plus, ils ont up la portée encore. Donc, je suis un peu en mode... Bouah. Ok, c'est cool. Il reste plus que 3 bâtiments en safe. On est 4. Je suis en extérieur. Il en reste un bâtiment chacun. Mais vu comment ils sont pas doués, il y a moyen qu'ils se retrouvent tous dans le même. On temporise. Ouais, Didier. Ouais, chaud, tranquille. C'est ma première win de la saison, t'en as pensé quoi? La map est belle, mais le snipe sans le parmesan de bite, non? Putain. Empêche. Tu le savais, Didier? Qu'il y avait 35% des gens qui nous regardaient qui n'étaient pas abonnés. C'est un scandale. Je dis un chiffre au hasard. Je m'en bats les couilles. Ton langage, là, s'il te plaît. Bon, maintenant qu'on a fini ce dialogue avec ce chien de Didier, on va essayer de gagner cette game. Ah ok, déjà on en a repéré un, les gars. Vous l'avez repéré vous aussi? Regardez, il est sur le toit à faire des haut bas. On a le marsupilami là qui est en train de se battre. Tu vois, on voit là, à ses déplacements, le mec, c'est un bon joueur. C'est sûr qu'il a 3 kills, gros. Il est en train de camper là depuis tout à l'heure. Il doit avoir 3 kills et maintenant il joue sa vie en mode hardcore là-haut. Il vient de s'accroupir dans l'angle ou c'est moi? Ah, il y a un mec en bas. Je sais pas si c'est une personne. Il y a à notre petite fiesta. Et il vient de me break 2 shields en me foulant ici. Attends, mais où est-ce qu'il est le troisième? Il y avait pas le troisième gars juste à côté de lui? Ça va refaire comme tout à l'heure. Je vais me faire défoncer par. Voilà, ça j'aime! Ça j'aime, les gars! Le téléphone portable! Ah, ça j'aime pas. Un V1. Il va devoir sortir de sa cachette. Mais qu'est-ce que je fais? La panique, les gars, la panique. Shaw qui perd ses moyens. Shaw qui retrouve ses moyens. Et c'est la première win de la saison. Notre première! 15 kills, c'est honorable! Oui! Allez, ça part de là, les mecs! Premier jour, première win!